C'est un mets que l'on n'attend pas sur un domaine skiable. Des huîtres de Marennes-Oléron amenées par les ostréiculteurs. 2400 huîtres pour 2400 mètres, la hauteur maximale des pistes de Bourrette. Une idée un peu folle sortie tout droit de l'esprit de deux amis de 40 ans, l'un chroniqueur gastronomique en Charente, l'autre moniteur de ski à la station. Moi, je voulais faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Donc, je croise le patron de l'ESF. Et puis avec deux anciens aux cheveux blancs, j'y attends 2400 mètres là-haut, on emmène 2408. Et puis surtout, on les partage. Parce que pour moi, le ski, la montagne, c'est ça, c'est le partage. Et puis j'avais envie de dire merci. Il y a 40 ans que je viens à Gourette, j'avais envie de dire merci à Gourette, parce qu'il y a plein de petits Charentais qui ont appris à skier à Gourette. C'est un défi avec mon ami Picsou, là, qui est un ancien élève depuis 40 ans de l'école du ski à Gourette, dont quand il m'a parlé d'huîtres, je lui ai lancé un petit peu un défi et voilà, c'est une idée qui a mûri comme ça, juste avant la saison et voilà. Trois ostréiculteurs se sont prêtés au jeu. Une visibilité exceptionnelle pour eux, que ce soit auprès des Charentais, mais aussi de tous les skieurs de Nouvelle-Aquitaine en vacances en ce moment à Gourette. C'est une manière aussi d'être présent et de faire connaître les huîtres Marennes-Oléron, bien évidemment. Les huîtres, elles se mangent bien sur la neige ? Pourquoi pas, au contraire. Elles sont bien fraîches, là, donc ça incite aussi à la consommation, quoi. Dans la station, avide d'événements originaux, l'idée a séduit, si bien que Picsou a été proclamé ambassadeur de Gourette. L'ambassadeur du domaine, c'est quelqu'un qui va porter la parole du domaine, qui va montrer le domaine dans sa région, à l'extérieur de la vallée, à l'extérieur de notre région à nous, et qui va porter cette parole et qui va montrer le domaine skiable, le ski, la neige, la montagne, là où lui, il officie. Les 2400 huîtres seront ouvertes ce soir et partagées avec tous les vacanciers, l'occasion d'aller à la rencontre de personnages atypiques en toute convivialité.